Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour s'intitule « Le fruit de votre intimité avec Dieu ». Vous avez été nombreux à me partager votre désir de prêcher l'Évangile, tout en me disant combien vous aviez souvent été frustré et découragé par le manque de résultats à vos yeux. Mon ami, j'ai été encouragé par une puissante image que mon ami et frère le pasteur Samuel Grondin, auteur du livre « Prêche l'Évangile », a reçu de la part de Dieu alors qu'il tentait d'expliquer de manière concrète à un frère en Christ ce que signifiait le mot « évangéliser ». Il disait « C'est comme si tu étais assis à table avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que tu es en train de goûter à ton propre repas sur la table, tu invites alors ceux et celles qui ne le connaissent pas. En effet, la croix de Christ nous transforme d'abord personnellement, puis, lorsque cela arrive, nous sommes poussés à inviter les autres à goûter à cette nouvelle vie. C'est tout simplement cela, évangéliser. En réalité, nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons contemplé et vu de nos yeux, de ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est exactement ce que dit l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mon ami, évangéliser selon le cœur de Dieu, c'est prêcher ce que Jésus a accompli en mourant par la croix. Il sauve notre propre vie, ainsi que celle de tous ceux qui acceptent son sacrifice. Aujourd'hui et tout au long de la semaine, encourageons-nous mutuellement à prêcher l'Évangile avec passion, avec soif, sans compromis et sans religiosité. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.